Pourquoi le livre est-il ouvert ? Paolo et Francesca, en fait, ils sont tombés très très amoureux au moment où ils lisaient ce livre. Ce livre s'appelle Lancelot. C'est un livre du Moyen-Âge qui raconte une histoire d'amour. Et un jour, ils étaient en train de lire le livre tous les deux et ils ont réalisé qu'ils étaient en train de tomber amoureux. Pourquoi quand le prince fait un bisou à la princesse ne le regarde pas ? Parce qu'elle est timide. Francesca, elle est mariée, donc elle n'a pas le droit de faire un bisou au frère de son mari, c'est interdit. Et quand elle réalise qu'elle est en train de tomber amoureuse de Paolo, et que Paolo est en train de tomber amoureux d'elle, elle est un petit peu gênée. Tu vois, elle rougit, elle n'est pas très très à l'aise. Et pourquoi ils avaient des robes longues comme ça ? Ah, parce que les princesses, elles ont toujours des robes longues. Au Moyen-Âge, les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon. Henri de Caennes, c'est un peintre romantique. Et les peintres romantiques aiment beaucoup être exacts. Donc, avant de faire son tableau, il s'est renseigné pour savoir quel type de tissu, quel type de robe, elles avaient les princesses au XIIIe siècle. Et alors, elle a un tissu damassé. Et où son mari ? Ah, son mari, il va bientôt arriver. Son mari, qui est très laid et très vieux, va bientôt apparaître derrière le rideau. Mais Henri de Caennes a préféré cette fois-ci uniquement montrer le baiser qui unit Paolo et Francesca comme un couple tellement mignon et tellement amoureux qu'il n'a pas envie de montrer le mari. Et tous les autres peintres qui ont représenté Paolo et Francesca l'ont fait avec le mari qui arrive et qui va être fou de rage. Et la fin de l'histoire est très triste parce qu'il va être tellement fâché qu'il va sortir son épée et va les embrocher tous les deux pour les tuer.